7h21, l'heure d'RTL sans fil. Bonjour Sébastien Thoen. Salut les hétéros. Alors comme ça. Comment ils vont? Ils ont leur petite voiture, ils vont à leur petit boulot. Oui Yves, non, c'est un plaisir. Oui, comment ça va? Je peux faire mon texte? Bon, alors comme ça, vous avez passé la soirée hier avec l'influenceur le plus puissant du moment? Absolument les amis, sauf que lui, cet influenceur, à l'inverse de Nabila, Enjoy Phoenix et autres Pierre Ninet, oui. Ses vidéos, il ne les fait pas à Dubaï. Non, ses vidéos, lui, il les fait, il cartonne dans le monde entier et il les fait chez lui, à Doha, en effet, en ce moment, puisque, et avec des milliards grâce à la Coupe du Monde de la Babale, puisqu'il s'agit de cet influenceur, c'est le sultan du Qatar, le Cheikh Al Thani. Alors, je vois les hooligans bien pensants de Twitter, oui, virtuel, dire oh là, le mec du jeudi sur RTL, il parle d'insultant, alors forcément, il balance du rail, oh le cliché. Mais t'as raison, champion, j'aurais dû mettre la lambada, ça aurait été tellement plus cohérent. Ou les trois cafés gourmands, ou non, plutôt les trois thés à l'amande gourmands. Merci, là, je vous en prie, c'est mon métier. J'ai aucun mérite. Et c'est tellement plus drôle, les blagues de droite. Il avait raison, Pascal Praud, ils sont tellement cons chez France Inter. Bref, il est 18h, hier soir, je prends le jet privé d'Amandine Rousseau. J'atterris à Doha, et là, je file dans ce restaurant gastronomique qui a un nom de transport en commun anglo-saxon, Amandine. Le restaurant Subway. Et je rentre dedans. L'ambiance est cosy, vous ne direz pas, dans ce joli petit étoilé qui est Subway. Et au fond, à droite, est attablé mon ami le sultan Al Thani qui déguste un pastrami sauce desktop. Ça a l'air très bon comme ça, mais il n'empêche, pour Al Thani, c'est la soupe aux pois chiches à la grimace. Le sultan qatari, qui est un ami, est en pleine dépression, c'est horrible. Il me confie, attention, imitation à les 80. Julien Drey va adorer. Il me dit, mon petit Seb, j'irai beau dire, j'irai beau faire. Nique sa mère les occidentaux, vous m'aimerez jamais. Mais non, mais arrête, Al Thani. Renseigne-toi bien, va regarder dans les livres d'histoire. Les Français ont toujours adoré les Arabes. Elle est bonne, ça, on dirait pas une blague, mais elle est bonne. Bref, Al Thani ajoute, mais Seb, je sais, le souci pour vous, c'est pas les Arabes, c'est moi. Moi, le sultan, parce que déjà, chez vous, sultan, c'est un peu péjoratif. Sultan, c'est un nom de chien. Mais comment ça, Al Thani, je fais? Si, j'ai acheté la moitié de Paris, dans le jardin des Tuileries. Nicolas Sarkozy m'a fait un très bon prix. Et bien, quand je balade dans les Tuileries, je vois bien, tous les chiens, ils s'appellent ou princesse, ou noisette, ou sultan. Walahalin. Je dis, mais non, mais Thani, mais ta mauvaise image, c'est surtout lié aux travaux pour la Coupe du Monde, avec tous ces ouvriers pakistanais qui sont décédés. Pour construire tes stades à la con, c'est horrible. Alors là, Thani me dit, oui, c'est vrai, ces travaux, c'était une horreur. Je dis, bah, tu vois, Thani, quand tu commences à reconnaître tes défauts, ça commence à être un peu plus sympa. Et Thani ajoute, non, je te dis, c'était une horreur parce que les Pakistanais, pour vendre des marrons devant les vitrines de Noël, c'est super. Mais pour construire des stades, c'est la misère. Ils finissent pas dans les temps, ils sont pas solides physiquement. J'aurais dû prendre des Polonais ou des Portugais. Là, c'est carré. Alors que le Pakistanais, il m'a coûté un fric de fou. Ah, je fais, écoute, tu vois là, ça, c'est pas le Thani que j'aime. Thani, donne-nous une bonne raison de t'aimer. Montre-nous que tu as progressé humainement. Montre-nous des choses bien. Alors Thani me répond, il y a un truc qui va vous plaire les occidentaux, c'est le zoo de Doha. Je suis là, bon ? Le zoo de Doha, mais pourquoi Thani ? Alors Thani me dit, oui, le zoo de Doha, c'est un modèle de tolérance et d'accueil. Que ce soit les girafes, les rhinocéros, les éléphants, les crocodiles, les lémuriens, les pandarous, les chimpanzés, les homosexuels et les femmes, tous les animaux sont hyper bien traités, avec cage climatisée et cacahuètes à volonté. Oh, il dit stop ! Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai beau pas être de gauche, je suis choqué. Donc Thani, t'es mon ami, t'es mon frère, y a pas de soucis. Je sais qu'au fond, t'as des plein de qualités, mais je te le dis, va bien te faire enfiler par un de tes 3000 chameaux. Et j'ai claqué la porte. Du Subway, oui, Marseillaise. Oui, j'ai eu les couilles, Yves. Oui, ouais, un Français, droit dans les yeux. Moi, je suis pas démonté, j'ai rien laissé passer. Ça, c'est un comique français. C'est pas Bertrand Chameroy quand il fait ça. Ah, pour se moquer d'Hanouna, y a du monde, hein. Mais pour les fonds de la République au Qatar, d'ailleurs, j'y pense. Hanouna, j'ai toujours pas de nouvelles. Il devait m'inviter pour mon livre Chagrin d'humour et j'ai pas de nouvelles. Mais pourquoi il m'invite toujours pas? Allez, musique! Hanouna, Hanouna, pourquoi il m'invite pas? Et Hanouna, Hanouna, pourquoi il m'invite pas? Il a pas les couilles. Bref, on se calme. Franchement, calmez-vous là, c'est insupportable. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais dégoûté, je suis rentré chez moi. Évidemment, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, bon, c'est pas un pays, c'est pas pour moi. Bref, je me suis dit, c'est pas grave. La semaine prochaine, je vais passer une super soirée. Ouais. Ah ouais, parce que mercredi prochain, là, je vais voir notre idole, Olivier Giroud, à Doha. On va se faire un petit plateau repas avec plein de vidéos. On va se mater les sextapes de Valbuena et Karim Benzema. On va délirer, ça fait plaisir. Alors vive le jeudi, vive la vie. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Voilà pourquoi ça s'appelle Sans Filtre. Merci Sébastien Thoen. Ah, merci à vous, merci la France. Avec Sandrine Sorge, merci la France. Putain, je vous jure, ça fait tellement du bien d'être français.